Dans cette grande enseigne de bricolage, les mesures de précaution sont de rigueur. Solution hydroalcoolique à disposition, éviter la bise entre collègues ou encore affichage des gestes à adopter face au coronavirus. L'enseigne a reçu ses consignes de la direction nationale et avec 260 salariés sur l'île, le premier confinement préventif vient d'être décidé. Aujourd'hui sur le magasin d'Ajaccio, non, pas pour l'instant, rien de déclaré. Par contre, chez nos collègues du magasin de Bastia, un collaborateur dernièrement en vacances sur l'Italie qui s'est déclaré et qui aujourd'hui rentré chez lui pour les 14 jours comme convenu. L'homme n'est pas un cas déclaré, ni même suspect. Il est mis en quarantaine par précaution car revenant d'une zone à risque. Il rentre dans le cadre du décret du 31 janvier pris par le gouvernement. Ce décret permettrait aux salariés bénéficiant d'un arrêt de travail délivré par un médecin de l'ARS d'être pleinement indemnisés sans subir les 3 jours de carence. La plupart des commerçants ajacciens ne sont pas inquiets face au coronavirus. Dans ce salon de coiffure du centre-ville, aucune mesure particulière n'est appliquée. En cas d'absence d'un des 3 salariés, son remplacement serait géré comme suite à n'importe quel autre arrêt maladie. Ce serait comme un arrêt maladie classique, je dirais, embêtant toujours, mais... pas non plus. Pas insurmontable non plus. En cas de doute sur la démarche à suivre face au coronavirus, un numéro vert gratuit permet de répondre à toutes vos questions.